Hi guys, how are you doing tonight? Today's gonna be a special YouTube, you know, YouTube with I'll be interviewer, okay? A guy, okay? A friend of mine, okay? Jean-François Fillion, guy, swing in the same place that I do, all right, okay? And he's a power lifter. And Jean-François, I'm gonna ask him question in French, right? He prefer that I do it in French, right? And just later on, guys, I get back to you in English, okay? Just translate, you know, the question I'm gonna ask him, okay? I haven't prepared anything yet, right? It's gonna come, you know, naturally, right? Okay, as it come right off the bat, right? Okay, very simple question, okay? And Jean-François, it's a pleasure for me to have him, you know, here on my YouTube channel, okay? It's good for my channel, it's good for him, okay? It's good, you know, to promote, you know, a natural, healthy way of living, okay, in sport. Today we talk about powerlifting with Jean-François. Get back to you guys in English, okay? Hey Jean-François, comment ça va? Ça va bien. Jean-François, c'est un plaisir de t'avoir avec moi pour commencer. C'est mon channel YouTube, ok? Je vais tantôt me traduire en anglais avec mon monde en anglais. Oui. Ok, on parle de powerlifting. Powerlifting, moi je sais c'est quoi, ok? Toi tu sais c'est quoi. Mais pour monsieur dans tout le monde qui regarde ça, qui regarde mon channel, qui va voir cette vidéo-là, c'est quoi le powerlifting? Peux-tu m'en parler? Comme si je ne connaîtrais pas ça, le powerlifting. Moi, en gros, là, le powerlifting, là, c'est trois mouvements. C'est squat, bench, deadlift. Trois essais pour chacun. La dernière essai, c'est ton 120%. Le PR time pour les trois dernières essais. C'est quoi du PR time? Je connais pas ça. Le PR time, là, c'est que dans ta vie, tu vises un poids et quand tu arrives en compétition, à ta troisième essai de ton mouvement, tu défonces ce poids-là. Puis à partir de ce moment-là, tu c'est ça qui est fun dans ce sport-là, c'est que tu arrives à ton squat, puis là, tu sais que tu vises un poids depuis 12 semaines parce que tu es en préparation pour ce maudit poids-là. Puis là, tu le fais. Et sérieusement, on me donnerait $1 million, ça voudrait pas la fraction de seconde quand je lève mon poids. On a eu une compétition en juin, tu étais là, Serge. Oui. Quand j'ai fait mon deadlift, 507 livres, j'étais tellement joyeux que j'étais comme en extase. Mon adrénaline était dans le piton. J'ai été happy pendant un mois de temps. Je le suis encore en plus. Fait que je trippe. Avant, j'étais un joueur de basket, un joueur de soccer. Je courais énormément. Je pesais 160 livres. J'étais des abdos. Puis à un moment donné, j'étais tanné de courir. Puis je suis quelqu'un, en fin de compte, fort naturellement. Puis je travaille ses fermes, tout ça. Puis quand j'étais jeune, j'étais fort du dos. Fait que Daniel Royer, c'est lui qui m'a initié à ce sport-là. Qui est une légende, en fin de compte, parce qu'il revient de compétition. Puis lui tout, il est un peu comme moi, un peu comme Serge et tout. Un peu naturel, parce que la drogue, à mes yeux, c'est une joke. Fait que le naturel, c'est à mes yeux... C'est vraiment un exploit. Fait que bref, c'est lui qui m'a fait entrer dans ce sport-là. Puis au fil des années, ça fait à peu près pas loin de 5 ans que je fais ça. J'ai fait plusieurs compétitions. Je me suis sûr que je ne me suis pas rendu aux provinciaux ni aux Canadiens. C'est étape par étape. Parce que si j'y vais trop vite, comme beaucoup de mes chums de gars qui sont powerlifters, souvent ils se blessent. Moi, mon but, en fin de compte, c'est faire les Canadiens, natural, puis pas se blesser. Parce que moi, je veux bencher encore à 80 ans. Fait que, c'est ça. Deadlift, OK. Moi, je suis encore là, le gars qui connaît pas ça, même si on sait que je connais ça. C'est quoi le deadlift? Peux-tu m'expliquer c'est quoi le deadlift? C'est quoi le bench press? Okay. Pour le monde qui connaisse pas ça, le monde qui voit ça la première fois, ils se demandent c'est quoi, ils se posent des questions, qu'est-ce qu'il veut dire par là le deadlift, c'est quoi le bench press? Le bench press, en fin de compte, c'est on appelle ça un développé couché en français. Tu es couché sur le bench, tu sors le poids de la cage, tu es couché, tu fais un poids. Dans l'IPF, il faut faire une pause de 1 seconde. Dans d'autres fédérations, c'est du touch and go, il faut que tu contrôles juste la barre. Ça dépend des fédérations, ça dépend de plein d'affaires. Le deadlift, c'est un soulevé de terre que tu pars de la terre. Puis tu ramènes et tu closes vraiment les épaules avec un poids assez énorme. C'est pas du arraché comme en haltéro, mais vraiment un poids immense, puis qu'on lève puis on close. C'est très impressionnant à mes yeux. Moi, je trouve que c'est le deadlift qui est le plus impressionnant dans les trois mouvements, parce que souvent on voit des soulevés qui est 3 à 4 fois ton poids par rapport à ben du monde. Moi, j'ai vu un 74 kg. Lever 500 livres. C'est impressionnant.
On voit pas ça souvent, là. C'est quasiment 5 fois son poids. Là. Fait que, tu sais, c'est impressionnant à voir. Puis moi, voir ça, c'est comme. C'est ça. Ça me, je suis comme un extase. Plus qu'un gros gars qui arrive avec 24 pouces de bras, puis qu'il a l'air gros, mais qu'il a de la misère à faire deux plaques. Ça, c'est comme. C'est ça. Donc, on parle de powerlifting, on parle au niveau de la force. Ouais. Une épreuve de force, un sport de force, ouais. Un sport où qu'on vise. Tout simplement le maximum de répétition, okay, un PR, ouais. Le personal record, une fois, ouais. Okay, sur les trois levées, ouais. Okay, à trois essais chaque. Oui, c'est ça. Tout simplement, OK. C'est ça. Donc, toi, tu as parti, Jean-François, du soccer puis du basketball que je savais pas. Comme je ne savais pas pantoute jouer au basketball ni au soccer, mais c'est correct. Puis, t'en allais faire des épreuves de force comme ça. La transition. Tu as vécu ça comment là, avec Daniel Royer? J'ai vécu ça dur parce que je suis un gars d'équipe. Je suis vraiment. Moi, qu'est-ce qui me craigne, c'est une gang de gars qui se craignent, puis go, on va le faire. Le powerlifting, c'est ça qui est différent, c'est que tu es en dessous de la barre, tu es tout seul. Mais c'est pour ça, en fin de compte, que j'ai formé un club ici à Québec, parce que je suis un gars d'équipe. Puis je peux pas faire quelque chose tout seul, à mes yeux. Quand tu as un projet ou quelque chose en équipe, ben j'ai besoin du monde autour de moi. Je suis pas quelqu'un d'individualiste de nature. Fait que je me sens. J'ai trouvé ça dur parce que ce sport-là, il fallait que je me pousse par moi-même. Puis souvent, c'était le contraire, c'était les autres qui me poussaient à me surpasser. Fait que c'était comme un défi à moi-même. Puis à partir de ce moment-là, j'ai aimé ça parce que ça m'a montré une personnalité de moi que je connaissais pas. Puis c'est ça. Dans le powerlifting et tout, là, quand je dis PR time, là, quand on fait des compétitions, là, le moment que tu te retrouves en dessous, c'est le moment qui t'appartient. Puis que tu. Comment je peux dire ça? C'est un moment qu'en équipe, on ne peut pas avoir. Puis c'est ça qui me fait encore apprécier le powerlifting depuis des années, et je vais en faire de l'an des années, parce que quand j'étais en équipe, on gagnait, c'était cool, on le fait en équipe. Mais là, je le fais pour moi-même, puis là, c'est une satisfaction à moi, pas pour les autres, à moi. Fait que je trouvais ça, c'était comme différent. J'ai bien aimé ça. Côté trainer, en équipe, côté, tu parles, on parle de sport individuel, c'est comme le bodybuilding dans le fond. T'as-tu un entraîneur, t'as-tu un coach, t'as-tu un trainer avec toi, t'as-tu une équipe en arrière de toi qui te suit? Au début, c'était Daniel Royer qui me suivait, c'est lui qui m'a donné l'idée de faire ça. Après ça, moi, je suis parti de la boxe, puis là, je suis rendu à Québec. Au début, moi puis Alex, on voulait partir un club, parce qu'on avait la même idée. Fait que là, la vie a bien changé, fait que je me suis retrouvé ici à Québec, puis Alex Grollo. Qui est rendu en boxe. Mais là, Alex Grollo est devenu entraîneur canadien. Fait que là, il me suit quand je fais mes compétitions. Puis on a toujours gardé une très, très, très bonne relation parce qu'on a toujours la même idée ensemble. Fait que c'est un gars, comment je peux dire, c'est un gars fidèle, puis je le suis tout pour lui, puis on se comprend bien, puis on se complète bien. Fait que c'est pour ça que c'est mon entraîneur, Alex. Parce que il me comprend. Quand j'ai dit non, ça marche pas, il dit OK, Jeff, on aligne ça comme du bon. Puis Daniel, lui, c'était différent. Daniel, lui, c'est. Il a tellement l'expérience à travers le monde que. C'est ça. Fait que lui, il me touchait un peu moins. Fait qu'Alex, j'ai vraiment dit quelque chose avec lui. Il vient ici au Barbare, puis il vient nous aider. Il m'aide avec mes nouveaux athlètes. On travaille ensemble, c'est ça. Je peux pas dire qu'on se complète bien. Merveilleux. Combien d'athlètes dans le club de powerlifting, tu parles du Barbare, là? Qui pratiquent ce sport-là, qui compétitionnent ou qui ne compétitionnent pas, mais combien tu mettrais d'athlètes là, en powerlifting? Au début, ça a été difficile. On a parti un club dans les premières années. On était 30 membres. Après ça, il y a eu une crise interne qui avait rapport et tout avec un conflit un peu par rapport à la drogue. Fait que, on était un peu par rapport à ça. Fait qu'il y en a qui sont partis. Fait que là, j'ai trouvé. Ils sont partis. Fait qu'on s'est retrouvés à deux. Et là, aujourd'hui, j'ai travaillé fort, très fort avec Jonathan Noro. Puis on est rendu avec un club avec 20 levards. Merveilleux, c'est super. Très fort. Très fort en Simonac. C'est super ça. Niveau, on parle de sport, on peut pas parler autrement. On peut pas parler autrement que d'alimentation. Comment tu te prépares au niveau de ta bouffe, au niveau de l'alimentation? Ouais. Peux-tu nous expliquer c'est quoi tu manges dans le fond? Là?
En fin de compte, quand je me prépare pour une préparation, c'est un programme de 12 semaines qui est basé sur le volume, entre la force et le volume, puis on finit en force. La bouffe, j'augmente mes repas. Je suis un gars qui mange quand même beaucoup, mais là, j'augmente à 6 fois par jour, entre 3000 à 4000 calories. Je mange quasiment comme un citron de même. Pour monter à un gabarit, je monte quasiment à 240-245. Fait que mon objectif, c'est avoir un poids élevé dans mon volume et mon strength pour ne pas perdre de l'énergie. Et quand je me retrouve en fin de compte à faire mon 4 semaines de force avant la compétition, je diminue mes repas à chaque semaine pour arriver à 3,5 à peu près. Pour descendre mon gabarit un peu. Parce que là, j'accumule la force. Là, mon corps est en choc. Fait que là, il est prêt à exploser. Fait que là, j'ai de l'énergie en banque, la force. Souvent, je fais peut-être un 10 semaines de créatine, qui est tout à fait naturel. Puis la créatine m'aide énormément à la récupération. Fait qu'avec ça, je fais tout ça en 12 semaines. Je me prépare à ma compétition et j'ai envie d'exploser quand j'arrive en compétition. Je suis prêt. Je suis vraiment, vraiment, vraiment prêt. Fait que c'est ça un peu mon training et ça fonctionne très bien. Donc tu baisses ton poids de quoi, 10, 15 livres, 20 livres, ouais. 25 livres, je sais pas. Moi, je suis encore le gars qui connaît pas ça. Là. Tu baisses ça, puis au niveau de ta force, ça change-tu beaucoup? Pas tout. Parce qu'en fin de compte, j'ai accumulé de l'énergie. Okay. J'ai accumulé de la force. Okay. Fait qu'en fin de compte, mon corps a comme besoin de comme un repos d'alimentation. Mais là, je mets plus lourd dans mon 4 semaines de force. Fait que là, il est comme surchargé. Okay. Fait que ça va très bien. Comme la dernière compétition en juin, je suis monté à 245 livres pour arriver à 105 kg, qui est 230. J'ai perdu 15 livres en un mois. OK. As-tu de la misère? Moi, je suis un gars facile à perdre du poids. Okay. Fait que déjà, là, en partant, c'était favorable pour moi. Mais c'est ça. Okay. Prochaine compétition, c'est quand pour toi? C'est quoi tes buts? Mettons, on parle à moyen terme ou à long terme? À moyen terme, moi, je vise l'année prochaine, juin prochain, au Festival sportif de Sainte-Marie. Je vise 550, 450, puis 350 au bench. 350 au bench, 550 au deadlift, 450 et plus au squat. OK. Ton V le plus fort dans tes trois lifts, on parle du big three, on appelle, là. Mm-hmm. Au niveau du powerlifting, c'est quoi ton V le plus fort? Et où ta force? Es-tu au deadlift, au bench press, au squat? Ça dépend. Ça dépend comment que je vais, comment ma fatigue va, mais ma force, c'est toujours le bas du dos. Ça a toujours été un peu le deadlift. Okay. C'est sûr que je me suis blessé aux ischios, pas en m'entraînant, mais au travail. Fait que ça a fini que j'ai comme réduit. Puis la surprise a été en juin. J'ai découvert qu'en fin de compte, mes ischios étaient très en forme parce que je les avais économisés. Et j'ai démoli un deadlift. J'ai sorti un 507, qui est en fin de compte un PR que j'ai travaillé depuis des années. Ça fait à peu près un an et demi que je travaille pour monter en haut de 500. Et je l'ai réussi. Super. Fait que j'étais vraiment content. Super. D'autres questions que je pourrais te poser aussi beaucoup, mais une question qui vient tout de suite en tête, là. Combien de fois par semaine que tu t'entraînes au niveau du powerlifting? Moi, je m'entraîne 3 fois semaine. Powerlift? Je suis comme une de ma compétition. Je fais squat, bench, deadlift. Fait que lundi, mercredi, vendredi. Des fois, il y en a qui s'entraînent 4 fois. Moi, je pense que... Moi, je suis un gars qui a de la misère à récupérer. Fait que 3 fois, c'est assez. Okay. Puis avec le temps que j'ai avec mes enfants, tout le kit, j'ai moins le temps. Fait que je m'entraîne 1h30, c'est assez. Je donne tout ce que je peux, puis après ça je fais. Puis je retourne. Es-tu toujours dans le pesant? Au niveau des trainings, là, au niveau du bench press, au niveau du deadlift ou du squat, es-tu toujours dans... Est-ce que tu t'arrêtes toujours avec des grosses charges pesantes, de la 4, de la 5 reps? C'est quoi tu fais là? Moi je suis un gars qui aime mettre pesant, faire des singles, faire mettons du 10x1 en pesant du 95, tout ça. Sauf que à un moment donné, le corps il est fatigué. Fait que là, il faut descendre les charges, faire du volume. Mais mon corps, je déteste faire du volume parce que j'ai l'impression, on dirait qu'il me manque quelque chose, j'ai encore du gaz. Mais il faut que j'en fasse parce qu'à un moment donné, le corps a besoin d'un repos. Okay. Fait que oui, il y a une transition à faire oui, par rapport à ça. Vous voulez blessures, Jean-François? La seule chose que j'ai eue, c'est les ischios. Puis c'est comme je te dis, c'est pas. J'ai fait la grande écart, j'ai glissé sur une débarbouillette à l'hôpital. Fait que c'est la seule chose, je me suis jamais blessé, puis je touche du bois, là, mais je me suis jamais blessé en compétition. Fantastique. Mais ton poids est à combien? Moi, je suis présentement, j'ai descendu, je suis présentement à 231 livres. Bon,
merveilleux, ça. Ouais. Jean-François, beaucoup de questions que je pourrais poser. On va réduire l'entrevue aussi là-dessus. Ben, moi, je te remercie bien gros l'entrevue que tu m'as accordée. Ça peut réveiller du monde au niveau du powerlifting, donner de l'information, en ait plus de connaissances sur le sport que tu pratiques. Le monde, souvent, il passe au powerlifting, puis il voit beaucoup le weight, l'haltérophilie là, aux Olympiques. Là. Ouais. Puis l'haltérophilie, on connaît ça parce que c'est quand même aux Olympiques. Mais powerlifting, c'est encore un des bains du monde inconnu. Fait que tu nous expliquais vraiment c'est à quoi la discipline que tu pratiques. Là. Puis le club de powerlifter que tu as formé au Barbar Gym à Québec. Là. Je t'en remercie beaucoup, Jean-François. Mais il y a là en pour mes YouTubers. Là. Puis je vais traduire tout ce que j'ai entendu. Là. OK, puis je te remercie beaucoup, Jean-François. Puis bon succès à toi. Puis des records à suivre, à battre pour toi personnellement. Okay, guys, I'm going to try to translate, you know, everything, you know, the question, you know, responded, you know, by Jean-François here, like about powerlifting, you know, what he's doing, okay, is, so he talked about, you know, the way he was eating, he was getting himself prepared, you know, for the competition. He's been practicing powerlifting for 4 years now, so 4 years. Just before that, he used to be a basketball and soccer player, you know, incredible, okay, and he's been inspired by Daniel Royer, okay, a guy from La Beauce, okay. Both Quebec, Canada, you know, where he's coming from, right? He's a founder of the powerlifters club here, okay, in Quebec City, Barbar Gym, right? Okay, and he was talking about the last competition he's been competing. I was there, right? Okay, Saint-Marie Beauce, okay, in Quebec, okay, when he broke his PR, okay, his personal record in deadlift, 507 pounds, okay, for him it was a good shot, right? Okay, right now his weight is about 231 pounds, okay. He was telling me, right, just before a competition about 1 month ago was cutting. He's a guy who can eat, you know, and he can absorb, you know, about 4,000 calories every day, okay, before, you know, in a competition. And 1 month, you know, just before he's getting himself prepared for the powerlifting championship, he's cutting down. He's cutting meals, you know, one meal every day, okay, and he can lose easily 15 pounds, you know, in a month, okay, and his strength, you know, doesn't really change for him, right? He keeps the same strength, right? Energy and the power, you know. And as he's a gentleman, okay. He was talking here about, you know, kind of a split, okay, split gang here. He's a guy, you know, he's a group guy, right? This guy is a good, he's a good teamster, right? And got a certain talk about, you know, a certain conflict here happening, you know, in the gym, okay, and some other members, you know, they're gone away, right, and he stayed here, and he was supposed to start, the idea about starting powerlifting club, you know, with Alex Grollo, which this guy is a Canadian powerlifting coach, right, okay, but, you know, for certain circumstances, you know, at least Golo stayed, you know, in Beauce, and Jean-François, he moved here to Quebec, okay, and, you know, he founded the Barbar powerlifting gym, right? And I hope for you, and he explained what powerlifting was all about, okay, about, you know, deadlift, you know, and bench press, and the back squat, right, okay, and he's very strong about, you know, his lower back, okay, because he used to be to work in the farm, you know, when he was younger, where he comes from, okay, and he was a good, not handyman, you know, but a guy who could work, you know, physically, right, and that's why, you know, he explained he has a good, lower back, and he's very strong about lifting, okay, and he talked about the adrenaline, you know, when he's going, you know, under the bar, you know, to push, you know, and try to break, okay. His PR, right, okay, it's about coaching, okay, Alex Grollo is the guy who's helping him, okay, about coach, right, he was coaching, you know, as an athlete, right, okay, but when it's time to start, you know, do the action, right, under the bar, he's the only one, okay, and he feels the adrenaline, you know, and the success he has, right, just by pushing, okay, because it's really an individual discipline, okay. I think, you know, we have talked about everything here, okay. He didn't get any injuries, okay. The only injuries he got, okay, he really failed, you know, at his job at a hospital, right, on a towel, okay. It's not even about, you know, powerlifting, it's on the towel. 31 years old, he's a good guy, he's a really good guy, Jean-François, and I really appreciate, you know, that he took his time, you know, to come here, and, you know, he gave me an interview.
he did explain me what powerlifting was all about, okay? And I really appreciate that, guys, okay? I hope to get more interview with other athletes like in the future, right? Subscribe to my healthy channel, okay? And please stay healthy. Thank you very much. Bye.